Alors, bienvenue à ce webinaire sur l'émotion d'urgence. Alors, aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale pour présenter le sujet. C'est Mme Gabrielle Beaulieu, avocate en droit familial chez Alt Divorce. Ce webinaire, je dois mentionner, est organisé pour Action ontarienne contre la violence faite aux femmes. On le fait dans le cadre de la campagne Femmes ontariennes et droits de la famille. Alors, juste rappeler un peu qu'est-ce que la campagne Femmes ontariennes et droits de la famille. C'est une campagne qui donne de l'information sur les droits des femmes et sur les choix que leur offre le droit de la famille en Ontario. Elle est offerte en 14 langues dans des formats accessibles, imprimés ou en ligne sur notre nouveau site www.undroitdelafamille.ca. Juste vous mentionner aussi que dans la section multimédia du site, vous allez pouvoir retrouver tous nos webinaires et ainsi aussi vous inscrire au nouveau directement sur le site en ligne. Alors, avant de commencer, je vais vous mentionner la clause d'exonération de responsabilité légale. Donc, c'est une présentation qui contient une information sommaire sur certains éléments de la loi et des processus juridiques à titre d'information générale et à jour en date du mois de septembre 2015. Si une femme a des problèmes qui relèvent du droit, elle devrait obtenir les conseils juridiques d'une avocate. Alors maintenant, je te laisse la parole, Gabrielle. Merci beaucoup. Donc, l'émotion d'urgence, c'est un sujet qui est quand même assez... qui peut être très complexe. Puis, je vais essayer le plus que possible de vous donner un bref aperçu, puis de qu'est-ce qu'une motion d'urgence, qu'est-ce qui peut être considéré, une fois qu'on est considéré, quelles sont les démarches qu'on peut prendre, etc. Donc, avant de commencer sur les motions d'urgence, je pense qu'il est important de déterminer qu'est-ce qu'une motion en général. De la façon que j'explique souvent à mes clients, c'est qu'on a une requête qui commence l'action, puis la dernière étape, c'est le procès, où là, on détermine d'une façon définitive toutes les questions en litige. Une motion, c'est vraiment pour régler les choses d'une façon intérimaire. Il va souvent y avoir des ordonnances sans préjudice, d'une façon intérimaire, qui fait en sorte que même s'il y a une décision à la motion, ça ne veut pas dire qu'au procès, ça ne peut pas changer. Donc, des exemples de choses qui peuvent être réglées de façon intérimaire, bien, c'est la pension alimentaire. Là, vous êtes pris un peu, vous avez besoin d'un revenu. Monsieur dit « Ok, je vais payer 200 $ vous prenez 200 $ mais vous auriez droit à 400 $ Donc, d'une façon intérimaire, on s'entend sur 200. Les droits de visite. Donc, pour ne pas attendre 2 ans avant de commencer des droits de visite, ça peut être réglé par voie de motion. La possession exclusive de la maison. Donc, vous voulez vivre dans la maison jusqu'à temps qu'on règle tout. Ça aussi, ça peut être réglé d'une façon intérimaire. Puis finalement, la divulgation de documents. Pour pouvoir en arriver à une décision finale, souvent on va avoir besoin de l'information. Si l'autre partie ne collabore pas à donner cette information-là, ça peut être obtenu par voie de motion. Des choses qui ne peuvent pas être réglées par voie de motion, c'est la question de la garde. La garde étant custody, là, qui prend les décisions pour les enfants sur la religion, l'éducation, la santé, etc. Ceci étant dit, on peut voir des juges à des motions rendre une ordonnance qui va dire que vous avez la garde principale et pouvez prendre des décisions. Mais on ne va pas vous donner la garde au terme de la loi. Puis la division des biens non plus, les juges sont très réticents à vouloir régler ça de façon intérimaire parce qu'il faut vraiment avoir toutes les données. Puis une fois qu'on aura toutes les données, on réglera ça d'une façon finale. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on entame une requête. Suite à la requête, habituellement, il va soit y avoir une première comparution ou une conférence relative à la cause. Tout va dépendre du type de dossier que vous avez. Une motion, selon les règles, peut seulement être entendue une fois que la conférence relative à la cause a eu lieu. Donc, faut attendre un petit peu. L'exception à la règle étant la motion urgente. Donc, une motion urgente peut être entendue avant la conférence relative à la cause. Puis pourquoi est-ce qu'on apporterait une motion urgente? Bien, les mots le disent un peu, c'est pour être pour question de rapidité, puis aussi pour avoir une décision dans les délais plus brefs, si je peux dire. Ça permet d'avoir aussi, j'imagine, d'avoir des documents légaux jusqu'à temps que la procédure soit finale, d'avoir moins des documents du juge pour avoir prendre des décisions. Oui, absolument. Okay. Puis ça, c'est dans le cas de toute motion. Oui, OK. Donc,
La seule chose que je dois dire, c'est que afin de faire entendre une motion urgente, le fardeau de preuve est très, très élevé. Là, je vous ai mis la règle qui permet d'apporter une motion urgente avant la conférence relative à la cause, pardon. Donc, ça dit que la règle 4.2, pardon, la règle 4.2 dit que le paragraphe 4 de la règle 14 ne s'applique pas si le tribunal est d'avis qu'il existe une situation d'urgence ou de grave difficulté ou qu'il n'est pas nécessaire de tenir une conférence relative à la cause pour un autre motif, pour un autre motif que dans l'intérêt de la justice. La grosse question, c'est quelles situations sont considérées comme étant urgentes. Donc, selon les règles, il y a trois types de situations qui sont vraiment considérées comme urgentes. Il y a l'enlèvement, donc l'enlèvement d'un enfant, là, pas d'une personne adulte, qui a un danger imminent. Puis un danger imminent, ça peut vraiment être grand. Ça peut être, on va souvent penser au danger physique, que la personne va se faire battre, que la personne peut mourir, etc. Mais le danger imminent, ça a été aussi considéré pour des questions de santé. L'enfant a besoin d'un traitement immédiat. C'est un danger imminent. La Cour a aussi considéré que dans certains cas, l'aliénation parentale, et je sais que vous allez avoir webinaire plus tard là-dessus, où c'est vraiment flagrant, par exemple, qu'il y a de l'aliénation parentale, ça peut être considéré urgent aussi. Mais ça dépend du juge aussi, puis ça, je vais en parler un petit peu. Puis, il y a des questions qu'on pourrait croire qui pourraient être considérées urgentes que la majorité des juges ne considèrent pas comme étant urgentes. Les questions de déménagement. Vous devez déménager pour un emploi, puis là, vous apportez une motion urgente parce que vous voulez déménager. Je crois que la raison que souvent on ne considère pas ça urgent, c'est que habituellement on sait qu'un déménagement, c'est pas demain matin. On va le savoir quand même assez d'avance. Donc, un juge va vous dire, mais pourquoi vous ne l'avez pas apporté avant? Le début des classes scolaires, c'est pas au mois d'août qu'on décide où l'enfant va aller à l'école. Essayez de prévoir parce que les juges ne vont pas nécessairement considérer ça comme urgent. Le refus de voir les enfants. Donc, qu'un parent refuse à l'autre de voir les enfants, ça ne sera pas nécessairement considéré urgent dû au fait que, bien, il y a un juge devrait dire qu'il a plutôt dit à un père dans une décision que s'il trouvait ça pénible et difficile, qu'il devait se bâtir une carapace un peu. Qui va avoir les enfants à Noël? Je sais pas combien de gens essayent d'apporter une motion urgente le 21, 22, 23 décembre, puis les juges ne veulent pas l'entendre. Il y a aussi une ambiguïté, je vais vous dire, parce qu'il y a certains juges qui nous ont dit que c'était pas urgent, les voyages à l'extérieur du pays. Lorsque quelqu'un veut voyager à l'extérieur du pays, vous avez besoin du consentement de l'autre parent. Donc, si l'autre parent ne veut pas consentir, souvent, l'autre personne va dire « j'ai apporté une motion urgente ». Dans la majorité des cas, c'est pas considéré comme urgent, mais l'autre jour, je peux vous dire que j'étais à la cour et j'écoutais la cause avant moi, et le juge a dit « quand c'est des questions de voyage, moi je l'accorde, puis c'est sûr que je fais en sorte que l'autre partie va payer les dépenses pour apporter ça pour rien, comme il ne devrait pas avoir. Ouais. » À moins, je veux dire, vous pouvez empêcher de vous pouvez ne pas consentir si vous avez vraiment peur que l'autre parent enlève l'enfant, là, je veux dire, ça c'est des circonstances raisonnables, mais c'est pas, vous pouvez pas enlever le consentement juste pour faire du trouble à l'autre personne. Ou essayer de manigancer un peu. L'autre chose qu'il faut prendre en considération, donc là je vous ai donné des exemples de causes urgentes, des causes qui ne sont pas habituellement considérées urgentes. Avant d'apporter une motion pour raison d'urgence, je vous encouragerais à contacter la Cour pour voir c'est quoi la première date disponible pour une conférence relative à la cause. Si vous êtes capable d'avoir une conférence relative à la cause dans la prochaine semaine, ça ne vaut probablement pas la peine d'apporter une motion d'urgence. Si la prochaine conférence relative à la cause, puis à Ottawa, c'est pas rare que ça va prendre 2-3 mois, mais là, vous avez peut-être plus de raisons d'apporter votre motion d'urgence d'une façon rapide aussi.
Je peux vous dire que pour tout à l'heure, je vous mentionnais que il y a l'enlèvement, il y a le danger imminent. Ah, puis je crois que j'ai oublié de mentionner les difficultés financières. Je suis désolée. Donc, les difficultés financières extrêmes peuvent aussi être une base d'émotion urgente, mais apportez-la plus tôt que plus tard. Encore une fois, un peu comme je vous expliquais pour le déménagement ou pour l'école, si ça fait 6 mois à 1 an que vous vivez en difficulté financière, ben, il n'y a plus vraiment d'urgence. Mm-hmm. Si ça fait 6 mois à 1 an que vous vivez ça, vous êtes capable de vivre avec, puis c'est ce que le juge va vous dire. Il okay. faut vraiment que vous l'apportez le plus rapidement possible. Il vous a mis à la porte, vous êtes avec les enfants, vous êtes... je veux dire, il y a beaucoup de clientes qui m'appellent qui ne sont pas éligibles à Ontario ouais. Works, au bien-être ou à toute autre prestation, mais ils sont pris chez elles, puis là, ils ne peuvent pas partir. Ouais. Donc là, il y aurait une raison d'apporter une motion d'urgence pour difficultés financières, mais sinon, ça peut être plus difficile. Puis est-ce que, par exemple, à ce moment-là, si une femme, comme tu viens d'expliquer, qui est dans cette situation-là, est-ce que s'ils l'accordent, habituellement, ils vont émettre un montant de pension alimentaire temporaire? Oui, okay. Oui, okay. Oui, oui, oui. Puis ça va être basé sur le salaire de monsieur. C'est sûr que, là, en apportant une motion urgente, vous devez être capable de démontrer un peu le salaire ouais. qu'il gagne. Fait que il y a des preuves à amener pour qu'elle puisse justifier, je crois, qu'il fait à peu près 60 000. Oui, okay. Oui, définitivement, mais vous pouvez facilement aller sur Statistique Canada. Un pilote fait environ tant par année okay. dans telle région. Okay. Quelqu'un qui travaille à Poste Canada. Il y a beaucoup de données qui sont disponibles. Ouais, c'est un peu une recherche de votre part. Mais en apportant une motion urgente, c'est pas nécessaire que l'autre partie va avoir le temps de répondre. Ouais. Donc, oui, pour le montant d'argent, essayez d'avoir le plus de preuves possible. Si vous êtes incapable, demandez un montant. Donc, une fois que vous avez déterminé si votre motion est urgente ou non, bien, si elle est urgente, c'est quoi les prochaines étapes à faire? Si vous n'avez pas encore entamé de requête, vous devez commencer avec votre requête. Vous pouvez déposer tous les documents que je vais vous mentionner en même temps, mais il faut que vous ayez une requête parce que vous avez besoin d'un numéro de cours. Donc, il y a la requête. Par la suite, si ça concerne n'importe quel dossier, qu'il y a des enfants? Des oh. enfants, oui. Lorsqu'il y a des enfants, à ce moment-là, vous allez faire le formulaire 35.1, qui est l'affidavit à l'appui d'une demande de garde ou de droit de visite. Mm-hmm. Puis lorsqu'il y a les questions financières, habituellement, aussitôt qu'il y a des enfants, il va y avoir la mm-hmm. question de pension alimentaire. Donc, il y a les questions financières. Vous devez aussi remplir votre bilan financier. Par la suite, vous allez préparer votre formulaire de motion, soit le 14B ou l'avis de motion 14 et un affidavit. Donc, peu importe le formulaire que vous choisissez, vous devez aussi faire votre affidavit qui va supporter votre motion. Donc là, on a joint les deux formulaires, le 14B. Et le formulaire 14. Là, vous allez me dire, bien, c'est lequel que j'utilise. Ça va dépendre de la juridiction dans laquelle vous êtes. Comme moi, je suis à Ottawa, là, ici. Donc, à la Cour d'Ottawa, il y a des journées spécifiques où il va y avoir des motions procédurales. Pour ce type de motion-là, vous allez remplir le formulaire 14B. Pour d'autres cours, comme à la Cour de l'Orignal, il n'y a pas de motion procédurale. Vous devez appeler la cour pour fixer une date à l'avance. À ce moment-là, vous allez utiliser le formulaire 14. Mais je vais aller plus en profondeur tout à l'heure. Je vais commencer avec le formulaire 14B. Si vous êtes dans une grande juridiction, selon moi, vous allez probablement utiliser le 14B. Si vous êtes dans une petite ville, vous allez probablement utiliser le formulaire 14. Donc, en commençant avec le formulaire 14B, je vais dire que c'est très... l'information de base, donc le nom du tribunal, l'adresse, le nom des parties. Si vous avez commencé la requête, vous êtes le requérant, l'autre partie va être l'intimé. Le nom du juge ou du gestionnaire qui est demandé,
Si vous ne le savez pas, il n'y en a probablement pas. Okay. C'est dans certains dossiers, il y a un juge qui va être assigné pour faire de A à Z, puis c'est lui qui suit tout le dossier. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous ne savez pas, il n'y en a pas. La présente formule est remplie par la requérante ou l'intimé. Je demande au tribunal de traiter la présente motion à une audience. Vous ne voulez pas le faire à l'écrit, là, pas pour une motion urgente. Puis je me fonde sur les documents suivants, votre affidavit. Puis votre affidavit, je vais le répéter à plusieurs reprises, mais c'est votre meilleur ami là, dans le contexte d'une motion urgente. Quand tu dis à une audience, donc autrement, ils ont le choix habituellement entre une motion écrite uniquement, puis le juge prend une décision sur l'écrit seulement. Ou sinon, par l'audience, alors elle va dire verbalement, elle va expliquer verbalement son cas devant un juge. Oui. OK. Puis la raison, c'est à cause que le formulaire 14B, c'est pas juste pour les motions urgentes, c'est pour tout type de motion. Mm-hmm. Puis tu pourrais demander une motion seulement à l'écrit. Okay. C'est pour ça que je vous dis, dans le contexte d'une motion urgente, ça vaut la peine. Vous devez le faire par audience. OK, OK. Là, oui. Parce que le faire par écrit, ça va probablement prendre plus de temps aussi. Il faut que ça aille au comptoir, ça va se rendre au comptoir des juges, puis là, ça va revenir. Une audience va être entendue la journée, là, quand c'est le 14B. Les ordonnances que vous demandez, très important, la première ordonnance que vous demandez, c'est l'autorisation de la Cour de procéder par voie de motion urgente avant la tenue d'une conférence relative à la cause. Parce que, comme j'ai expliqué, les règles prévoient qu'il faut avoir une conférence relative à la cause avant de procéder par voie de motion. Donc, la première chose que vous demandez, c'est la permission à la Cour de procéder de cette façon-là. Par la suite, là, j'ai mis d'autres clauses. Je veux dire, vous allez demander la pension alimentaire que vous désirez. Le fait que vous ne voulez pas qu'il y ait de visite ou que les visites doivent être supervisées de façon urgente. Mais les autres clauses que j'ai pensé bon d'inclure dans le contexte, c'est les clauses permettant à la police d'appliquer l'ordonnance. Okay. Parce que si vous avez peur qu'il y ait un enlèvement, si vous avez peur vraiment parce qu'il y aurait un danger pour vos enfants, vous voulez vous assurer que la police peut appliquer les ordonnances. Puis, dans certains cas, la police va appliquer les ordonnances, puis dans d'autres, ils veulent s'assurer qu'il y ait des clauses. Donc, on est mieux de les inclure pas. Donc, les clauses que j'ai mises sont très standards. Le service de police ayant compétence dans la région où, d'après lui, l'enfant ou les enfants se trouvent, doit faire tout ce qui est raisonnablement possible pour trouver, appréhender et ramener l'enfant à, donc l'endroit, oui, si c'est à la mère spécifiée, à Ottawa, à telle personne ou même à l'adresse où vous demeurez. Dans le but de trouver et d'appréhender un enfant conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1 ci-dessus, un policier peut, en ayant recours à l'aide et à la force raisonnable dans les circonstances, pénétrer dans un lieu où il y a des motifs raisonnables et probables de croire que se trouve cet enfant et y perquisitionner entre, puis là, mentionner les heures, vous pouvez mettre à toute heure, parce que les règles prévoient, puis là, je vais peut-être m'enfarger, mais... si je ne me trompe pas, c'est entre 9h et 6h ou 10h et 6h qu'habituellement les policiers peuvent appréhender. Ah, OK. Donc là, vous voulez vous assurer qu'ils peuvent appréhender en tout temps. En tout temps. Alors, juste une question par rapport à ça. Si, une précision par rapport à, si je prends un exemple d'une usagère qui, son mari a enlevé les enfants, elle fait une motion d'urgence. Oui. Est-ce qu'elle devrait en profiter en faisant la motion d'urgence, en plus de demander, par exemple, le retour des enfants et une garde temporaire de ses enfants? Est-ce qu'elle devrait demander en même temps une pension alimentaire ou c'est pas à ce moment-là qu'elle devrait faire cette démarche-là? Moi, j'attendrais. OK. Oui. Vraiment, c'est spécifique à l'urgence. À l'urgence. Oui. Donc, on prend pas le temps de demander plein d'ordonnances. Je veux dire, vous pouvez, elle pourrait, mais selon moi, le juge va seulement traiter des questions urgentes. OK. Oui. Les ordonnances que vous demandez, très important, la première ordonnance que vous demandez, c'est l'autorisation de la Cour de procéder par voie de motion urgente avant la tenue d'une conférence relative à la cause. Parce que, comme j'ai expliqué, les règles prévoient qu'il faut avoir une conférence relative à la cause avant de procéder par voie de motion. Donc, la première chose que vous demandez, c'est la permission à la Cour de procéder de cette façon-là. Par la suite,
Là, j'ai mis d'autres clauses. Je veux dire, vous allez demander la pension alimentaire que vous désirez. Le fait que vous ne voulez pas qu'il y ait de visite ou que les visites doivent être supervisées de façon urgente. Mais les autres clauses que j'ai pensé bon d'inclure dans le contexte, c'est les clauses permettant à la police d'appliquer l'ordonnance. Okay. Parce que si vous avez peur qu'il y ait un enlèvement, si vous avez peur vraiment parce qu'il y aurait un danger pour vos enfants, vous voulez vous assurer que la police peut appliquer les ordonnances. Puis, dans certains cas, la police va appliquer les ordonnances, puis dans d'autres, ils veulent s'assurer qu'il y ait des clauses, donc on est mieux de les inclure que pas. Donc, les clauses que j'ai mises sont très standards. Le service de police ayant compétence dans la région où, d'après lui, l'enfant ou les enfants se trouvent, doit faire tout ce qui est raisonnablement possible pour trouver, appréhender et ramener l'enfant à, donc l'endroit, oui, si c'est à la mère spécifiée, à Ottawa, à telle personne ou même à l'adresse où vous demeurez. Dans le but de trouver et d'appréhender un enfant conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1 ci-dessus, un policier peut, en ayant recours à l'aide et à la force raisonnable dans les circonstances, pénétrer dans un lieu où il y a des motifs raisonnables et probables de croire que se trouve cet enfant et y perquisitionner entre, puis là mentionner les heures, où vous pouvez mettre à toute heure, parce que les règles prévoient, puis là, je vais peut-être m'enfarger, mais si je ne me trompe pas, c'est entre 9h et 6h ou 10h et 6h okay. qu'habituellement les policiers peuvent appréhender. Ah, OK. Donc là, vous voulez vous assurer qu'ils peuvent appréhender en tout temps. En tout temps. Alors, juste une question par rapport à ça. Si, une précision par rapport à, si je prends un exemple d'une usagère qui, son mari a enlevé les enfants, elle fait une motion d'urgence. Oui. Est-ce qu'elle devrait en profiter en faisant la motion d'urgence, en plus de demander, par exemple, le retour des enfants et une garde temporaire de ses enfants? Est-ce qu'elle devrait demander en même temps une pension alimentaire ou c'est pas à ce moment-là qu'elle devrait faire cette démarche-là? Moi, j'attendrais. OK. Oui. Vraiment, c'est spécifique à l'urgence. À l'urgence. Oui. Donc, on ne prend pas le temps de demander plein d'ordonnances. Je veux dire, vous pouvez, mais selon moi, le juge va seulement traiter des questions urgentes. OK. Oui. Là, je vais retourner à la date d'audience qui était un peu plus haut. Puis là, c'est pour ça, là, on devient un peu dans quel formulaire qu'on va. Comme je vous ai mentionné, la Cour d'Ottawa va entendre les motions procédurales. À Ottawa, c'est les mardis et les jeudis. À Toronto, c'est probablement d'autres dates. Puis, dans les petites municipalités comme à Lorignal, les motions sont toujours entendues le vendredi. Donc, à Lorignal, on utiliserait le formulaire 14 parce que, avant de pouvoir entendre ma motion urgente, il faudrait que j'appelle la cour, il faudrait que je me présente à la cour pour voir c'est quand leur prochaine date de disponibilité. À Ottawa, je peux seulement me présenter à la cour le mardi ou le jeudi. Je vous encourage à vous présenter. Les comptoirs ouvrent à 8h30, présentez-vous à 8h15, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, si vous êtes la première là, vous allez être la première à passer devant le juge. Dans les deux cas, une fois que vous allez comparaître devant le juge la journée qui est spécifiée, vous allez premièrement devoir démontrer l'urgence. Le juge va dire oui, c'est urgent, non, c'est pas urgent. Si c'est pas urgent, ben vous allez devoir prendre une autre date de motion que la cour a disponible. S'il considère ça urgent, à ce moment-là, vous allez pouvoir procéder à la date que le juge vous donne. Okay. Ça se peut que, si c'est un enlèvement, il y a des fortes chances qu'il va vous dire, OK, à 2h, vous allez être devant tel juge la journée même. Ou il peut dire, ben ça va être dans 2 jours, 3 jours, peu importe, dépendant comment il trouve l'urgence. Donc, ça se peut très bien qu'en voyant déjà, en ayant ces petites rencontres-là, dès le début, il dit « il n'y a pas d'urgence ici, on vous… » Est-ce que ça se peut qu'ils disent « il n'y a pas d'urgence, on ne vous cédule pas de date de cours? » Oui. OK, donc ça se peut… Ou aller au comptoir, pour commencer une requête. Mais vous allez déjà avoir commencé votre requête. Oui. Mais non, c'est aller au comptoir puis obtenir la première date disponible. OK. Oui. S'ils ne considèrent pas ça urgent, c'est retour un peu au début. Au processus normal. OK. Oui, mais aussitôt qu'ils considèrent ça urgent, c'est soit la journée même ou dans quelques jours habituellement. Oui. Donc là, je retourne dans le formulaire 14B. Puis la raison que je m'attarde plus au formulaire 14B, c'est qu'il est un peu plus complexe.
Le formulaire 14, c'est vraiment l'avis de motion où vous demandez les ordonnances que vous voulez, puis vous joignez l'affidavit. Il est beaucoup moins complexe. Donc, la présente motion est présentée, là, il y a 4 boîtes, avec le consentement ou avec préavis à toutes les personnes concernées, sans contestation. Si c'est une motion urgente, c'est pas ceux-là qui s'appliquent, parce que vous seriez pas là. Avec consentement, c'est souvent les motions que les deux parents sont d'accord pour que le bureau de l'avocat des enfants s'implique, mais on fait juste déposer ça, puis c'est avec le consentement. Donc, vous, ça va souvent être soit avec préavis à toutes les personnes concernées, avec une contestation anticipée, ou sans préavis, ce qu'ils appellent en droit le ex parte. Donc, ça se peut que vous ayez vraiment peur pour la sécurité de vos enfants ou qu'ils enlèvent l'enfant si quelque chose est déposé, puis là, vous dites, je ne peux pas lui envoyer les documents avant de me présenter la motion d'urgence. Donc, comment choisir entre ces deux-là? Habituellement, puis dans le contexte de la justice, on essaye toujours de faire ça juste et raisonnable. Donc, vous ne voudriez pas que quelqu'un apporte une motion contre vous sans que vous ayez la chance de vous défendre. Donc, on essaie toujours d'encourager à ce que les parties signifient l'autre partie qu'il y a une motion urgente qui s'en vient. Les règles prévoient que lorsqu'on apporte une motion, on devrait donner un préavis de 4 jours à l'autre partie. Dans les cas de motion urgente, habituellement, là j'ai mis 2 jours, habituellement si vous vous présentez au comptoir avec votre affidavit de signification, ils vont l'accepter parce que vous essayez d'apporter une motion urgente. Mais les règles générales veulent que ce soit 4 jours à l'avance. Puis c'est ça, là vous allez pouvoir déposer tous vos documents la journée même là, à la cour. Donc, si c'est vraiment urgent, je veux dire, moi j'ai eu un client qui m'est arrivé, maman avait décidé de déménager au Nouveau-Brunswick, puis on l'a vraiment su dernière minute, donc on a apporté une motion urgente. Je suis arrivée à la cour, j'avais ma requête, mon 35.1, mon bilan financier et ma motion urgente. Puis j'ai tout déposé en même temps, la journée même. Puis, est-ce que avec l'affidavit de signification à la toute fin? OK. Oui, merci. Les causes où le préavis n'est pas nécessaire, donc ils disent les circonstances qui font en sorte que ce n'est pas nécessaire ou raisonnable. Habituellement, ça, c'est un peu plus sur consentement, qui n'est pas le cas dans une motion urgente. Le préavis n'est pas nécessaire aussi lorsqu'il y a un risque imminent que l'enfant soit retiré de l'Ontario et le délai de signification pourrait causer préjudice grave. Donc, vous savez que monsieur, il a un billet d'avion pour demain matin pour partir avec les enfants. Bien là, vous n'allez pas aller chercher un huissier qui va aller signifier papa. Vous savez qu'il y a un billet d'avion pour demain matin. Donc, vous vous présentez à court puis vous êtes « j'ai pas eu la chance de faire de donner un préavis ». Puis, est-ce que j'imagine ça, est-ce qu'il faut qu'elle l'explique dans son affidavit? Oui, oui, c'est nécessaire, là. Puis, s'il y a un danger à la santé et la sécurité de l'enfant et le délai pourrait causer un préjudice grave encore, là, on peut sauter l'affidavit. Je pense encore à l'enfant malade qui a besoin des traitements. Je veux dire, un parent consent pas à la transfusion de sang, bien, ça pourrait considéré très urgent. Puis le délai de la signification pourrait causer des préjudices graves. Ça peut aussi être que ça fait 2 mois que vous êtes séparés, puis papa arrête pas de dire quand tu vas commencer une requête, moi je tue les enfants. Tu sais, quelque chose comme ça. Et je dramatise peut-être un peu, mais il y a des situations qui arrivent. Mais là, le délai, le préavis est probablement pas nécessaire. Mais vous allez devoir l'expliquer en détail. Donc, le facteur déterminant, c'est le préjudice grave ou les conséquences graves. Encore une fois, là, je vous l'indique, votre affidavit, c'est votre meilleur ami. Vous devez le spécifier en détail pourquoi est-ce que ça pourrait causer un préjudice grave ou des conséquences graves. Le seul fait là, que vous avez un peu peur de la personne, c'est habituellement pas
suffisant pour pas donner un préavis. Est-ce qu'à ce moment-là, par exemple, pour un cas, comme tu as mentionné, une menace de tuer les enfants ou de faire des blessures physiques aux enfants, est-ce qu'à ce moment-là, la femme qui remplit l'affidavit doit expliquer le contexte de violence conjugale qui dure depuis des années? Oui. Donc, il faut vraiment qu'elle remonte à l'arrière pour avoir des faits forts. Oui. Puis, j'allais le mentionner tout à l'heure, mais c'est bon que tu me poses la question maintenant. C'est bon d'expliquer les faits, mais écrivez pas 20 pages de faits. Le 10 avril, il m'a donné un coup de poing. Le 11 avril, il m'a donné une pichinotte. Peu importe. Ouais. Moi, je mettrais les éléments marquants, les gros événements, ou dire « Monsieur a toujours été violent. Voici quelques exemples, entre autres, pour démontrer vraiment la violence. » Mettez ceux qui ont encore plus de poignants, là, si je peux dire. Mais dans le contexte d'une motion urgente, le juge ne veut pas lire 40 pages de faits. D'autres choses qu'il faut considérer, c'est s'il n'y a pas d'avis, le juge va peut-être vous donner une ordonnance la journée même parce que monsieur a un billet d'avion, vous avez peur qu'il enlève, là, vous voulez que la police aille chercher les enfants le plus rapidement possible. Donc, vous allez avoir votre ordonnance. Ceci étant dit, le juge va dire, vous devez les deux revenir dans les 14 jours qui suivent. Donc, vous avez eu votre ordonnance, mais c'est pas fini. Là, vous devez retourner à la cour pour donner la chance à l'autre partie de s'expliquer. L'autre chose qui doit vraiment être tenue en considération, c'est que vous vous dites, OK, je donnerai pas de préavis, je rédige tous mes documents. En rédigeant vos documents, soyez conscient qu'une fois que l'ordonnance va être rendue, vous devez envoyer tous les documents à l'autre partie. Donc, votre requête, les documents de motion, le bilan financier, l'affidavit. Donc, assurez-vous que si papa n'est pas supposé de savoir où les enfants vont à l'école, mais mettez-le pas dans votre affidavit. Ouais. Expliquez pourquoi. C'est sûr que si vous voyez que vous avez mis quelque chose qui peut identifier où vous habitez, puis monsieur n'est pas supposé de savoir, etc., vous pouvez demander au juge de le rayer, mais encore là, c'est plus de démarches. Donc, les erreurs, ça arrive, mais essayez d'être consciente du fait que tous ces documents-là vont être envoyés. Si vous vous représentez vous-même, mettez peut-être un casier postal pour votre adresse ou si vous êtes représenté par un avocat, à ce moment-là, vous pouvez juste mettre le nom de l'avocat. Et finalement, j'arrive à l'affidavit. Donc, que vous remplissiez le formulaire 14B ou le formulaire 14, vous devez remplir un affidavit parce que c'est vraiment ça que le juge va lire avant de vous entendre. Donc, vous devez inclure tous les éléments qui détaillent la situation de votre famille actuelle et passée, surtout si c'est pertinent, comme tu dis, si ça fait 10 ans qu'il y a de la violence conjugale, c'est important de le mentionner. L'urgence immédiate, c'est quoi l'urgence? Pourquoi est-ce que ça devrait être considéré urgent? Si vous n'avez pas donné de préavis, pourquoi vous ne donnez pas de préavis? Vraiment précisé. Puis encore une fois, le plus de détails, le mieux. Si vous avez vérifié les dates de conférence relatives à la cause, puis vous savez que c'est dans 2, 3, 4 mois, mentionnez-le pour mettre encore plus d'emphase sur le fait que ça doit être entendu d'une façon urgente. Donc, c'est ça, là, si vous savez que la personne a des fusils et qu'elle n'est pas stable mentalement, bien, mentionnez-le. Si vous savez qu'il y a des billets d'avion ou vous avez vraiment... quelqu'un vous a dit que l'autre personne a un billet d'avion, mentionnez-le. Oui. Mais si vous mentionnez que quelqu'un d'autre vous a dit, bien, moi, je dirais, Emmanuel m'a dit que mon ex-conjoint a des billets d'avion et je la crois. Assurez-vous de rajouter « et je la crois » parce que sinon, c'est Pierre-Jean-Jean qui m'a dit. Ça ne devient plus vraiment des faits, mais c'est plus des oui-dire. Mais c'est ça. Ouais. Mais au moins, si vous dites « et je la crois », ça met un peu plus de poids dans la décision. Oui, exactement. Puis encore une fois, soyez le plus honnête possible. Si vous avez des torts, mentionnez-les. Parce que si vous les cachez, ça peut vous revenir. Donc, je sais que tu peux pas généraliser, mais je te demande quand même une question pour généraliser. Un affidavit, selon toi, même si les histoires sont toutes différentes, ça devrait être
environ combien de pages? Ça dépend. Ça dépend énormément. Je te dirais pour une motion urgente, là, moi j'aime diviser mes affidavits. Okay. Je vais mettre l'information de base. Donc, monsieur et moi, nous nous sommes mariés ou on a commencé à cohabiter telle date, on s'est séparés à telle date. On a eu 3 enfants, leur nom, leur date de naissance. Vraiment, l'information de base. Par la suite, pour une motion urgente, je dirais, je demande une motion urgente. OK. Que les enfants soient retournés, que le père ait des visites supervisées, peu importe la demande que vous faites. Puis après ça, j'essaierai de détailler pourquoi là. Ou vous pouvez détailler l'urgence. C'est quoi l'urgence? Détailler pourquoi il y a l'urgence. Pourquoi ça pourrait causer un préjudice grave. Puis je mets des entêtes différentes. OK, pour que ça soit clair. Mais vous voulez que, selon moi, dans la première page, le juge ait une bonne idée. OK. Pourquoi c'est urgent, puis pourquoi il pourrait y avoir préjudice grave. OK. C'est bon ça à savoir. Comme je vous dis, vous voulez mettre beaucoup de détails, mais vous voulez pas allonger ça plus qu'il faut parce que le juge va se tanner. Mm-hmm. Il va lire ça, puis OK, excusez mon anglais, mais il get to the point. Ouais, là. C'est ça, ouais. Donc, finalement, ce qu'il faut se souvenir, c'est que le fardeau de preuve est très élevé. Vous ne voulez pas apporter une motion urgente pour n'importe quelle raison. Encore une fois, si ça fait 2-3 mois que le père est parti avec l'enfant, ben c'est plus vraiment urgent. Mm-hmm. Si c'est pour l'école, vous savez que c'est pas urgent, vous auriez pu commencer quelque chose en juin, arriver pas à la fin août. Mm-hmm. Ah, c'est urgent soudainement. Si vous décidez de ne pas donner un préavis à l'autre personne, vous devez vous assurer qu'il y a des raisons, qu'il y a des chances de préjudice grave ou de conséquences graves. Comme je mentionne ici dans mon PowerPoint, puis comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le simple fait d'avoir peur de la personne, c'est pas suffisant. Là. Sachez qu'il y a toujours des policiers à la cour, puis que si vous avez vraiment peur de la personne, le policier va pouvoir intervenir. Puis j'en vois souvent aussi qui vont dire au policier, je me sens mal à l'aise, pouvez-vous m'accompagner à ma voiture? Okay. Et les policiers habituellement vont raccompagner à la voiture. Si vous êtes incertain des formulaires à remplir, n'hésitez pas à aller au comptoir. Il y a certaines cours aussi qui ont des centres d'information en droit de la famille. La majorité dans la région en ont, en tout cas, là, je ne peux pas dire pour toute l'Ontario. Puis, pour des motions urgentes, moi, je vous encouragerais à consulter un avocat. Je sais que c'est dispendieux. Il y a plusieurs services qui offrent des 30 minutes gratuites. Si vous n'avez pas les moyens de retenir un avocat, essayez au moins d'aller pour une consultation gratuite de 30 minutes pour voir si ça serait considéré une motion urgente, puis au moins pour que la personne puisse peut-être un peu vous guider là-dedans. Mm-hmm. Parce que je veux dire, c'est habituellement coûteux là, d'entamer les procédures, puis tout ça, c'est très stressant pour l'individu. Puis si vous perdez, puis que l'autre partie a eu les recours d'un avocat, bien, vous allez peut-être devoir payer ses frais juridiques. Donc vous êtes déjà bouleversé parce que vous voyez une situation urgente, puis là, on vous retrouve dans une situation financière encore plus précaire. Faire attention. Est-ce que dans, je ne sais pas si tu peux me dire, mais est-ce que vous êtes en mesure parfois de, bon, les femmes n'ont pas nécessairement tous les moyens d'avoir un suivi continu avec l'avocat, mais de juste simplement avoir rempli les formules, mais faire vérifier son affidavit. Est-ce que vous faites ça parfois ou pas nécessairement? Moi, je le fais. Okay. Je ne peux pas dire si pour tous les avocats le font. Okay. Là. Moi, ça va me faire plaisir de regarder les formulaires et essayer de diriger les clients pour les aider. C'est sûr que si je passe 1 heure, je vais charger évidemment. 1 heure. Là, mais ça se peut juste faire une révision de documents rapide, dans le fond, pour juste la guider pour les prochaines étapes. Oui, absolument. Mais oui, je suis très consciente que Mais je te remercie beaucoup pour cette information-là. Ça a été très pertinent. Puis, évidemment, nous, on va vous faire sur un formulaire d'évaluation par rapport au webinaire.
Puis le webinaire sera sûrement en ligne dès la semaine prochaine avec le PDF, puis les formules que Gabrielle vous a présentées durant sa présentation. Alors, on vous remercie beaucoup. Merci.